Mati. Oui, bonjour. Et je suis le cousin du défunt président de l'ancien président Ndiba. Je m'appelle Ndiba. Ah, vous êtes de sa famille alors? Je suis de la famille. D'accord. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu grand-chose, c'est quelqu'un de... Mais les gens disent que c'est un salafiste. Salafiste, c'est, oui, un salafiste. Oui, c'est un salafiste, oui. Il est venu du nord de... De la montagne. Oui, c'est qu'il est envoyé par une certaine bande, la Raga. La bande des islamistes, oui. Ils l'ont envoyé ici. Et qu'est-ce qu'il a cassé alors? Il n'a rien cassé. Juste... Les tableaux? Il n'a pas cassé. Il n'a pas cassé les tableaux? Lancé. Il lance quoi? Les tableaux, les photos. Il a arraché les tableaux de Bourguiba. Ils sont cassés les tableaux ou quoi? Non, il n'a cassé rien. Il n'a rien cassé. Non, et la police l'a arrêté alors? Bourguiba ne se cassera pas. Il ne casse pas Bourguiba. Non, il restera toujours lui-même. Allez, donc les tableaux sont là alors? Oui. Il a rien cassé. Vous êtes libre? Oui, je sais, mais je veux comprendre. Mais la police est venue, il a arrêté, on m'a dit. Ces voitures sont venues, ils l'ont embarqué, le salafiste. C'est normal, ça? Oui, c'est normal, j'ai compris. Donc il y a quelque chose qui s'est passé alors? Si moi j'étais. Non, j'ai pas dit le contraire, mais il y a quelque chose qui s'est passé alors. C'est lui, c'est ce monsieur qui a été envoyé par un groupe. C'est là. Hein. Et vous appelez comment? Moi, Ali Bourguiba. Ali Bourguiba. Je suis professeur en de médecine. En radiologie. J'ai étudié en France. Vous êtes le frère Je suis le cousin. Ah, le cousin. Je suis le cousin. Enchanté. Mon frère et le président. Je suis enchanté de vous rencontrer. Et moi aussi, pas le monde. Mais allez-y. Viens, on va aller voir Tofik. Tu vas nous faire la visite. C'est la famille. Ça, c'est les tombeaux. La famille. Et tout est en place. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé tout en fait, c'est ça qu'il a fait? Non, il a enlevé deux ou trois. Mais les autres se sont jetés sur lui. Le gardien s'est jeté sur lui. Il a jeté aussi là où on lit le Coran. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté le Coran. Il l'a jeté par terre. Le salafiste, il a jeté le Coran. Oh, oui. C'est la première fois qu'ils font ça. C'est pas la première fois. Ah, ils ont déjà fait ça ailleurs. Ici. Dans d'autres endroits, ils ont fait ça. Incroyable, hein? Bah, ce sont des dérangés psychiques. Oui, je sais bien, je suis d'accord avec toi, hein, mais c'est pas normal. Quoi. Si vous étiez à la place de n'importe qui, vous auriez. Il y a des journalistes dans Sahara. Vous pouvez visiter, il n'y a absolument rien de cassé. Non, mais je voulais voir, comprendre qu'est-ce qui s'est exactement passé. Ce qui s'est passé exactement en deux mots. Oui. Pour ne pas faire du blabla, quoi. Ne faites pas du blabla. Ouais. C'est quelqu'un qui est venu avec la barbe. La barbe. Ouais. Et ici, c'est coupé. Les lèvres coupées. Non, pas les lèvres, la barbe. Ok, la barbe de salafiste. Jusque-là, elle est coupée. D'accord, ça va. Ouais. Pour savoir qu'il est salafiste. Là, il a une barbe pour ça. Il est venu ici, il a acheté un bouquet de fleurs. Acheter un bouquet de fleurs pour perdre un peu, pour faire perdre, pour brouiller, oui, les pistes, brouiller les pistes, pour faire croire qu'il vient pour honorer la mémoire de Bourguiba. Il n'a pas une bombe. Il a lu, Dieu sait s'il l'a lu ou pas, et il a mis le bouquet de fleurs, il a commencé à tout casser. C'est vrai. Il est monté jusque-là, alors les autres costauds comme vous, ouais, se sont jetés sur lui. Pour l'arrêter, quoi. Il a été arrêté. D'accord, ça va. Il a été arrêté, moi, un quart d'heure avant. Vous étiez ici? J'étais là. J'étais là, j'ai quitté l'hôpital, je suis venu, parce que je viens chaque jour faire la prière, comme ça. D'accord, ça va. Maintenant, maintenant, il est à Tunis. Il est parti à Tunis? Oh, c'est fini, il est à Tunis. Ils vont... Il est envoyé le voudra. Oui, c'est par une bande, hein, c'est par une bande de barbus. C'est pas une bande, c'est par le parti islamiste tunisien. Oui, je sais, c'est lui qui il laisse faire, il encourage. Il l'encourage. Ouais. Il ne fait pas appliquer les lois, il dit à la police, ne touchez pas. Et peut-être aussi, il vient tester. Pour faire quelque chose de mauvais. Si mon assir est calme ou pas calme. Si on laisse faire, il vient agir et il fait autre chose. Non, moi ici, ça ne marche pas. Raconte-lui hier. Oui, hier, j'ai parlé avec deux citoyens tunisiens. Oui.